Le ciné-concert. La tradition du ciné-concert remonte dès la création des cinémas. Bien que les premiers films soient muets, ils n'en étaient pas pour autant silencieux. Un pianiste, un petit orchestre, un violon, un accordéoniste ou un organiste, accompagné par des airs populaires connus et des improvisations, l'action du film. Petit à petit, la musique s'est codifiée et les plus grandes maisons de production ont même pris l'habitude, à la livraison des pellicules, d'indiquer un découpage pour chaque scène avec soit une indication de morceaux à exécuter issus de la musique classique, ou bien simplement donner un petit classement des scènes avec des indications de caractère aimable, funèbre, italienne, pompeuse, villageoise, bataille, enfantine, tristesse, etc. Au fil des années, les codes deviennent de plus en plus précis et les ouvrages sur l'accompagnement musical au cinéma se multiplient. Le public prend donc ses habitudes. Il n'est plus possible de faire n'importe quoi sans une réelle prise en compte du film projeté. Dans les années 20, le débat sur la musique de cinéma est au cœur de la réflexion sur le 7e art. Si de nombreux textes portent sur l'amélioration du niveau musical et réclament un meilleur synchronisme avec les images, la polémique ne se limite pas à ces aspects techniques. Les critiques, les théoriciens, les cinéastes appellent à l'écriture d'une musique propre au 7e art et à une définition précise des fonctions de cet accompagnement.